Salut à tous, c'est Mitra Pneuma Nintendo Alert et on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière vidéo sur les gemmes niveau 10. Donc là, on va passer aux gemmes orange. Donc on vient de cuisiner donc un plat, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. C'est un plat qui va vous aider pour le farming. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos pour le plat ou farmer les ingrédients. Donc là, on va passer sur la gemme robustesse niveau 10 et ça augmente de 1500 les PV max, donc c'est pas rien. Alors il faudra vous TP à intérieur de l'origine, à l'arsenal numéro 1 porte est. Vous voyez où ça se trouve là? Donc c'est ici. Et ce sera à l'ouest de ce TP. Ce qu'on va chercher là, ce sont des amplificateurs de Horis. Vous voyez, les Horis, c'est ça. Ce sont ces mobs-là. Et on les cherche en violet, les amplificateurs. Alors, voilà, donc vous voyez, amplificateur de Horis. Donc nous on le cherche en violet. Et forcément, hein, vous savez comment ça se passe le farming. Hein. Il faudra essayer encore et encore jusqu'à avoir les violets et les avoir 30 fois. Donc on continue, donc ça Aetia. Donc c'est le souterrain d'Elgarès, c'est à l'entrée du souterrain. Et là, en fait, on va chercher de la viande de l'Apix. Donc, il y a à l'entrée du souterrain, il y a dans le souterrain, là, on s'est TP à l'entrée. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé encore le souterrain. Donc, voilà, c'est ici. Et donc, c'est la viande de l'Apix en violet qui vous faudra. Donc, vous voyez que... Donc à l'entrée là, ce sont pas des lapix, ce sont des chiro. Et un petit peu plus loin, on va tomber voilà sur les lapix qui sont à niveau 78, donc plutôt sympa le niveau pour des lapix. Et donc c'est là qu'on vous invite à farmer. J'en profite pour vous dire qu'on n'a pas encore bossé sur les builds, tout simplement parce que, bah, vous devinez, hein, pour faire ces vidéos sur le crafting des gemmes niveau 10, ça nous a pris des jours et des jours, on ne peut pas tout faire, hein. On a des journées de 24 heures comme tout le monde, donc petit à petit on va vous faire de plus en plus de vidéos spécifiques. Là on s'est vraiment focus sur les gemmes niveau 10 pour pouvoir vous aider un maximum. Les builds et tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut être autour, bah, ça viendra au fur et à mesure. On n'a encore pas eu la viande de l'Apix. Je sais pas pourquoi le jeu ne nous lâche que des queues agiles. Voilà, donc viande de l'Apix, comme vous avez pu le voir là, en violet. Allez, on continue. Donc là, il va falloir se rendre à Cadencia, au terminal des Mulus.
Et c'est à l'est donc de ce point de TP. Ce qu'on va chercher en fait, c'est de la viande dardon maturée. Pareil, enviolée x30. Il y a ce spot-là, il y avait un autre spot dont vous avez parlé. Ce sont des. Voilà, les ardons. C'est là où vous trouvez le plus gros troupeau. Hein. On avait trouvé un autre spot où il y avait un lunique assez corsé. Donc voilà. Nous, on vous conseille d'aller. Vous voyez, les ardons sont d'un bon niveau. Et là, ce qu'on cherche, donc, c'est la viande dardon maturée en niveau violet. Je vous rappelle qu'on a quand même un plat qui améliore le butin à la collecte, donc. C'est vous dire à quel point il va vous falloir farmer. Et c'est pour ça que je disais qu'on va se focus sur les prochaines vidéos, on va se focus en fait sur les builds. Les différents builds pour farmer, pour faire le plus de dégâts, etc. 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 Donc là, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Je vais vous montrer l'autre spot. Alors, l'autre spot qu'on avait trouvé. Alors, juste un instant. Du coup, il faut que je remonte. C'était sur du Royal. C'était voilà. Alors, c'était à donc Fornis, au Safronnier. Vous allez sur le repère du Safronnier. Ouais, ça permet de vous montrer plusieurs spots en même temps. Donc, vous allez vous TP là. Et là, vous allez trouver pas mal d'ardons aussi qui sont d'un bon niveau et un unique dont je vous avais déjà parlé. Qui est plus pour du endgame, voire du new game plus. Hein. Donc vous voyez, là aussi, il y a des ardons, mais ils sont à un niveau plus bas. Mais je sais que tout à l'heure, bizarrement, j'ai eu de la viande maturée d'ardons. Voilà, vous voyez, comme je vous disais. Donc là, il y a de la viande d'ardons maturée qui pop. Il nous en faut qualité violet. Moi, c'est votre chance aussi un peu. Hein. Moi, je vous ai donné deux spots. Tentez les deux. Hein. Donc, bref, on continue. Donc là, il va falloir se rendre dans la forêt de Macta. Vous allez vous TP sur l'unique Fennec le Spartiate. Qui se trouve ici. Hein. Et donc c'est à l'ouest de ce point de TP qui est l'unique. Là ce qu'on cherche en fait c'est du foie blanc de rana et c'est en jaune x30. Donc c'est à l'ouest. No problem now. Quite a rare sight. Comme vous voyez, c'est enfin, comme justement, comme vous voyez pas, il y a du brouillard, donc c'est pas top pour se repérer. Mais voilà les ranas. Et donc c'est là qu'il va vous falloir farmer. Il y en a quelques-uns dans l'eau, enfin dans le poison plutôt. Et là, on va chercher à avoir du foie blanc en jaune.
Donc voilà, le foie blanc se trouve ici. Nous, on l'a eu en violet, mais évidemment, il faut continuer à farmer pour l'avoir en blanc. Vous en avez plusieurs là, des ranas. On va en refaire un. Et ensuite, on passera à l'objet suivant. Voilà, on l'a eu en jaune. Donc voilà, c'est ici qu'il vous faudra farmer. Alors, le dernier objet pour cette gemme, c'est à l'intérieur de l'origine, à la tour de défense numéro 1. Et là, on va aller farmer les Ampedia, parce qu'il nous faut des casques d'Ampedia en blanc, x30. Vous voyez, ils sont là. Pas les louper en même temps. C'est plutôt simple là parce qu'on a tout le tour là des Ampedia. Voilà, un casque d'Ampedia, il nous le faut en blanc, mais c'est ici que vous allez les trouver. Alors, on passe à la prochaine gemme. Alors, la prochaine gemme, c'est la frappe ferme niveau 10, et ça réduit de 40% l'intervalle des auto-attaques. Alors là, on va retourner d'ailleurs à la forêt de Macta, et encore une fois, on va se taper sur Phénix le Spartiate, et on va partir au nord. Et ce qu'on cherche là, c'est un œil malfaisant de Dragol en violet x30. No problem now. Bon, Dragol, hein, vous vous souvenez très bien de ce que c'est, hein, cette espèce de gros. Gros dragon gris, et c'est lui qu'on va farmer. Il est très statique, il est affreux, mais bon, il bouge pas.
Ok, voyons ce qu'il a. Drop. Alors, les flammes infernales, on va chercher. Donc, voilà, l'œil malfaisant est ici. Nous, on l'a eu en jaune, il vous faudra en violet. Alors, Pintelas, pour le prochain objet, sur un unique qui s'appelle Riste le Fantasmatique. On l'a déjà tapé, hein, c'est une flanduse. Si vous avez regardé les vidéos précédentes. Et là, en fait, on va aller chercher des tentacules de flanduse. D'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos, prendre à la limite des notes. Hein, et s'il vous faut plusieurs items sur un mob, vous tapez jusqu'à ce que vous ayez tous les items. Hein. On a fait gemme par gemme, couleur par couleur, hein, pour que ce soit le plus simple possible. Bon, c'est long, hein. C'est pas... Je suis désolée, hein, c'est pas ma faute, hein, c'est la Switch. Hein. Elle est longue. C'est comme ça, on n'y peut rien. Que dire? Donc voilà. Donc c'est cette fenduse là. Et en plus, il est niveau 35, donc vous pouvez y aller. Hein. Ça prend pas énormément de temps, même si vous n'avez pas le build optimal. Parce qu'une chose est sûre, hein, dans les Xenoblade Chronicles, hein, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être au top rapidement. Hein, tout prend du temps. Hein. Farmer les gemmes, là, ça prend du temps. Monter en niveau, ça prend du temps. Construire ses builds, ça prend du temps. Donc, chaque chose en son temps. Dans cet opus, comme les larmes, les lames, tout ça, c'est pas vraiment personnalisable. On passe par les classes. Donc du coup, les gemmes, c'est vraiment très très important. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc Ombrelle. Là, ce qu'il nous faut, nous, c'est des tentacules. Mais c'est sur ce mob-là qu'il vous faudra aller et qu'il vous faudra farmer. Alors le prochain, intérieur de l'origine. Tour de défense numéro 3. Là, ce qu'on va chercher, ce sont des cornes rasoirs de Canunis. Donc le Canunis, je répète, comme dans les vidéos précédentes, hein, c'est un espèce de... un chien robot, c'est... ouais, c'est ça, un Canunis. Vous voyez qu'il y a un unique qu'on n'a pas encore fait. Ça aussi, ce sera sûrement le sujet d'une vidéo où on va vous lister tous les uniques. Donc là, le but, c'est d'avoir des cornes rasoirs de Canunis en violet, parce qu'il en faut 30 en plus, hein, comme à chaque fois. Donc voilà, cornes rasoirs de Canunis en violet, c'est tout bon. Allez, next. Donc, il va falloir aller à Aetia. Ou Aetia. Donc. Ça, je précise, c'est après origine. C'est-à-dire que si vous y allez avant, vous allez être bloqué. Donc, vous allez à Maribel la Généreuse. Vous allez vous TP là. Après origine, hein, j'insiste vraiment. Parce que... Après, si vous allez avant, vous allez être bloqué. Après origine, il y a une espèce de pont qui va apparaître. Et ça va vous dévoiler une zone secrète, le champ Fuchsia, qui sera uniquement accessible lorsque vous aurez fait origine. Bon, alors les plantes, toujours. Hein, elles sont agressives, peu importe le niveau. Donc vous voyez là en face, si cette plante voulait bien nous lâcher, ce rocher là. Si vous y allez avant origine, il n'y aura rien. Il n'y aura pas cette espèce de rocher que vous pouvez escalader. Après origine,
Il sera tombé. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Pour le moment, j'ai pas encore la réponse, peut-être après. Et là, ça vous découvre une zone secrète. Et c'est là qu'on va trouver, en fait, les Canisseros. Donc avant, on était sur des Canunis. Là, on est sur des Canisseros. Donc, on va chercher les cornes rasoirs de Canisseros. Ah, bon, un pipito. Quand vous voyez un pipito, ouais, vous le faites, hein. Vous essayez de le faire rapidement avant qu'il se barre parce que vous avez des chances d'avoir des doublons. Voilà, doublons nos ponts argent. Hein, et vous savez très bien, je vous apprends rien, même une gemme brute ultra pure. Donc ça, on en trouve sur les containers et sur les pipitos. Donc évidemment il y a un Ruppel qui attaque. Ils sont assez pénibles dans cet opus, ils vous attaquent systématiquement, c'est comme les plantes, je sais pas pourquoi. Normalement dans les Xenoblade Chronicles, l'agressivité des monstres, au bout d'un moment, voilà quoi. C'est un certain niveau, ils t'embêtent plus. Mais là, les Ruppel, les Blantes, ils te lâchent pas. Donc on arrive là, si ce Ruppel voulait bien nous lâcher, on arrive donc au Canisseros. Donc vraiment très joli, moi j'aime beaucoup. Ils embêtent personne, mais bon, le jeu te demande d'aller les tuer pour farmer, c'est comme ça. Alors vous verrez derrière, il y a un unique qu'on a déjà fait. Et donc là, je répète, on cherche les cornes de rasoir du Canisseros en jaune. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà. Corde rasoir de Canisseros en violet, on en a besoin en jaune. Mais on va vous montrer. Donc, il y a d'autres Canisseros là. Et il y a un unique. Donc, il y a sa pierre tombale. Donc, allez farmer ici. Et forcément, ça va tomber. Alors, pour dernier item pour cette gemme, intérieur de l'origine, c'est l'amplificateur. Alors, j'ai pas mon amplificateur de la porte inférieure. C'est des becs de Mio qu'on cherche. Ah, je ne rappelle plus quel amplificateur, quel numéro d'amplificateur c'est. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est porte inférieure. Alors, est-ce que c'est le 1, le 2? Peut-être le 1. Ah, voilà. Donc là, vous montez la rampe. Et vous allez avoir les Mio en haut. Bon, pareil, hein, vous avez fait origine, je répète, vous savez très bien que vous pouvez pas faire un pas sans être aggro par un flak, sans être aggro par tout et n'importe quoi. Donc, les voici, les Mio. Et donc là, on cherche à drop des becs de Mio blancs. Tout à l'heure, on les a fait, hein, parce que ces mobs-là, vous aurez besoin de tout un tas de trucs dessus. Et il y avait énormément de becs de Mio qui droppaient. Voilà. Il est faux en blanc. Là, on l'a déjà eu en blanc. C'est pas trop difficile, hein, contrairement à certains autres. Donc là, on a déjà fini une gemme. On passe à une autre. Donc c'est la double attaque niveau 10. Et ça augmente de 40% les chances de frapper deux fois
à chaque auto-attaque. Alors la localisation, donc c'est à Cadencia, pénitencier port de fret. Et ce sera à l'ouest. Ce qu'on va chercher là, ce sont des ailes ouragans de Golvol. Un Golvol, ça ressemble à une espèce de perroquet. C'est très chatoyant. Et c'est en violet, toujours en x30. Donc on les voit là. Hein. Vous voyez, ce sont ces espèces de perroquets. Très coloré. Donc il y en a qui se battent, il y en a là, plus vous continuez le chemin, il y en aura encore. Donc là c'est un beau spot pour aller les farmer. Donc voilà, elle ouragan de Golvol. Donc nous on les cherche en violet. Là on les a eu en standard, mais bon, c'est ici que vous allez les trouver. Alors le prochain item, c'est encore à Cadencia. C'est sur un uni qui s'appelle Temple d'Olvoras. Alors, donc c'est encore à Cadencia. On appuie sur plus. Pierre tombale. Alors je vous répète, Temple d'Olvoras. Ici. Donc on va se TP ici. Et ce qu'on va chercher là, ce sont en fait Temple d'Olvoras, c'est un Taos. Mais il a un bon niveau. Donc moi je vais pas. J'ai pas envie de me retaper 10 minutes sur un Taos. Donc je vais taper plutôt celui-là. Je vous apprends rien, hein. Les Taos ils sont assez pénibles en combat. Ok, donc là, moi, ce que je cherche, ce sont des pointes d'ailes de Taos. On va voir s'il me les donne. Œuf impérial, pointes d'ailes de Taos. Donc, vous voyez, là, je les ai eues en violet. Donc, c'est parfait. Alors, pour le prochain, donc, il va falloir se TP au récif flottant de Syrah, donc au sud-est. Alors, carte. Alors, au récif flottant de Syrah. Là, j'appuie sur plus. Pierre tombale. Pourquoi? Parce que je veux aller sur un unique qui s'appelle Carlos l'Enflammé. Ce que je cherche là, en fait, ce sont des mâchoires d'échidno, en violet. Donc, alors, il y a Zekitno. Parce qu'il me semble que celui-là, il est level 70. Hein. Ah non, il est que level 40.
Bon allez, level 40, c'est pas la fin du monde. Ça drop aussi sur les monstres normaux hein, qui sont à l'arrière, au cas où. Voilà. Donc là, je répète, ce que je cherche, c'est de la mâchoire d'Echidno en violet. Oh, that looks valuable. Bon, mâchoire d'Echidno, je l'ai eu en jaune. Que d'Echidno. Alors, il vous reste encore hein, ceux-là à taper. Il vous donne aussi des mâchoires en violet. Donc n'hésitez pas, si vous avez fait l'unique là qui est pas non plus trop difficile et que vous n'avez pas eu des mâchoires d'Echidno, ou même de toute façon si vous avez eu des mâchoires d'Echidno, tapez les mobs à côté. Donc on continue. Là il va falloir aller à Cadencia. Alors à Cadencia. On va encore une fois sur un unique. Alors Kamado le venimeux. Donc il se trouve là. Et il faudra vous rendre au sud de cet unique. Et on va aller farmer un Darbus. Donc le Darbus, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est ces mobs qui ressemblent à des Godzilla. Donc on privilégie toujours d'aller taper celui qui est endormi. D'ailleurs il est où celui qui est endormi? Normalement il est censé être là. Mais là c'est la nuit, il a dû se lever, j'en sais rien. Donc vous voyez, il y en a plein là des Darbus. Moi, la première fois, je me suis dit, waouh, c'est un nouveau mob. Non, c'est bien un Darbus, c'est juste que comme il fait nuit, il a changé de couleur. D'ailleurs, là, il vient de se secouer. C'est quoi? J'avais jamais vu. C'est quoi ce truc dégoûtant? Là, il vient de se secouer et il a fait tomber des trucs. C'est une espèce de puce, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est vraiment crade. Bon, bah, c'est dégoûtant. Donc en secouant, il a fait tomber des espèces de tics, de puces d'état. Ah, il est... C'est pas le plus facile à battre, hein. Vous savez très bien, hein. Il met des gros coups. Il peut TOS facilement. Là je le fais en même temps que vous, hein. Moi j'ai la manette en main, je joue et je vous parle en même temps, donc c'est pas facile. Donc pensez bien à feinter, hein.
que là, va être bientôt fini. Alors, cristal arc-en-ciel en jaune, voilà ce que je recherche. Bon alors, cristal arc-en-ciel, il me l'a donné en violet parce qu'il a eu envie de me casser les pieds. Mais voilà, c'est ici, vous voyez, des Darbus, il y en a vraiment beaucoup. Hein, pour farmer, venez ici, vous voyez, il y en a 1, 2, là le noir que vous voyez là. 3, 4, 5 avec celui que je viens d'avoir. Donc je vous conseille vraiment vivement de venir ici. Allez, on continue pour le dernier item de cette gemme. Alors, c'est au château. Alors, c'est le niveau 3. C'est dans la région du château de Kev. C'est au niveau 3. Et c'est sur un unique. Donc, allez, plus pierre tombale. Triade noire. Donc, c'est sur cet unique-là. Il va falloir vous rendre. Je vous remontre un coup la carte. Voilà, ici. Il se trouve ici, hein, l'unique. Donc là, ce que moi je cherche, ce sont des lames circulaires de Speculatos. Et voilà, on trouve ici. Et c'est en blanc. Donc les lames circulaires de Speculatos en blanc x30. Donc là, on n'a pas de drop. Donc là, il y a pas mal de mobs. Non, on n'avait pas, j'avais pas spécialement envie de me taper les gardes, mais ça va vite. Vous voyez sur la droite, la vente automatique, c'est parce qu'on en a tellement. Donc, on y a déjà 99, donc ça les vend automatiquement. Donc, il y a encore là un Speculatos. Donc, ce qu'on cherche, c'est une lame circulaire. Voilà, une lame circulaire de Speculatos, on l'a eu en blanc. Voilà. Donc c'est très bien. Donc on ramasse quand même le butin et on passe à la prochaine gemme. La prochaine gemme, c'est le combo renforcé niveau 10. Donc ça augmente de 75% les dégâts infligés après une feinte réussie. Alors, il va falloir vous rendre à Cadencia sur le mob Kamado le Venimeux. Et on va encore aller farmer du Darbus, hein, c'est vous dire. Donc, c'est pareil, hein, comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à regarder si vous voyez que pour vos gemmes, il vous faut un os minéral de Darbus, hein, ceci, un cela. Vous tapez jusqu'à ce que vous ayez tous les items. Hein. Dans un souci de cohérence, moi j'ai fait gemme par gemme. Là, bon, là il fait jour, hein, là il dort, donc la nuit de toute évidence... La nuit, de toute évidence, il se lève.
Admirez la beauté des graphismes. Alors là, je répète, on recherche un os minéral de Darbus en violet. Voilà. Allez, os minéral de Darbus en violet. J'ai vu un os. Allez, c'est parfait. Os minéral, on l'a eu en violet. Allez, prochain. Donc, Acadencia, centre. Donc, c'est sur un unique encore. Radoleur, je sais pas. L'excentrique et ses congénères. Donc, c'est-à-dire que il y a un unique et il y a aussi ses... des potes à côté, hein. c'est un Eluka. On va voir quel niveau il est. 48. Vous voyez, il y en a plein à côté qui plus est. Hein. Donc là, ce qu'on cherche, c'est de la soie d'Eluka en violet x30. Ok, alors, soit des Lucas en violet x30. Ok, super, donc voilà, on a eu la soie des Lucas, mais évidemment, hein, vous allez taper tous ces congénères à côté. Hein. Allez, on continue. Donc là, une fois encore, c'est après origine, c'est après vous êtes fait origine, vous allez à Essia. Vous allez vous TP sur Maribel la généreuse. On pourrait directement se TP en fait au final sur le mob qu'on a déjà tué, mais moi je vous remontre. Je suis bête et disciplinée, puis je me dis que c'est... Enfin, pour la personne qui va regarder le chapitre et qui va chercher tel ou tel objet, et qui va se dire, tiens, je trouve pas, je trouve ça cool de lui remontrer à chaque fois le cheminement. Parce que je répète que ces vidéos, on les fait vraiment pour vous aider. Hein.
on y passe énormément de temps, c'est pour vous aider. Pour vous éviter de galérer comme on a pu galérer. Donc après origine, je répète, il y a ce pont qui va être accessible. Et ce pont, il n'est pas avant. Et donc là, il y a tout un tas de ropples. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est un fragment de roc de ropple en violet. Et alors, faites-leur confiance, hein, ils vont nous agresser avec plaisir, hein, les ropples. Voilà, à peine approchés. Que... En plus, là, il y a un pipito. Allez, un terminé. Alors, fragment de roc. Donc vous avez vu qu'on a eu en blanc, en jaune. Il nous le faut en violet, mais c'est ici. Je vous conseille de venir ici, il y en a vraiment pas mal. Et vous le trouverez assez facilement en violet. Alors on continue. Là c'est intérieur de l'origine. Et c'est tour de défense numéro 3. Et là, ce qu'on va chercher, ce sont des cornes de rasoir de Canunis en jaune. Il se trouve derrière. Vous avez vu, je l'ai déjà dit, il y a un unique. Ce sera pour une prochaine vidéo. Au final, je sais même pas si c'est un chien, on dirait un peu. Il a un cri de chien, mais il a la démarche d'un cerf. Hein. Bon, tout le monde s'en fout, ça intéresse que moi. Enfin bref, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous donne des cornes de rasoir jaunes. Il y en a quelques-uns là. C'est sympa pour farmer sans vous faire attaquer par toute la map. À l'origine, c'est pénible. Hein. Voilà, donc corne de rasoir de Canunis qu'on a eu et en jaune et en violet, donc c'est parfait. Alors le dernier objet qu'il nous faut pour cette gemme, il se trouve au château de Kevz, au premier étage, et c'est proche de l'unique Vespa la mobile. Et ce qu'on cherche là, ce sont des articulations légères de Vélite. Gélère ou légère, c'est comme vous voulez, tant que vous les avez en blanc. La fatigue, messieurs, dames, la fatigue. Donc voilà, elles sont juste là. Elles sont assez simples en plus à battre. Hein. Voilà. Articulation légère de Vélite, c'est obtenu, c'est parfait. Donc on peut passer à la prochaine gemme. Alors la prochaine gemme, c'est la soif de sang diffuse au niveau 10. Elle réduit de 45% l'hostilité générée par les arts. Alors, le premier item se trouve à Cadencia. Donc on va se taper sur le pénitencier du port de fret. On va aller voir un mob que je vous ai déjà montré. Hein. Donc c'est à l'ouest du pénitencier du port de fret et on va chercher des golvol. Et là on veut des masques de golvol. Donc c'est toujours hein, les espèces de perroquets multicolores, très mignons. Et là on va essayer d'aller farmer les masques de golvol.
Voilà, vous pouvez faire le combat, vous pouvez aller à l'arrière, il y en a tout le long du chemin là. Alors, est-ce qu'ils vont nous donner des masques ? Voilà, elle ou Ragan, ça on a besoin pour d'autres gemmes. Là, on a besoin d'un masque. Alors, masque de Golvol, vous avez vu là où il a eu en blanc. Nous, on le cherche en violet, mais c'est pour montrer que c'est ici. Hein. Vous avez pas mal à farmer, donc n'hésitez pas. Allez, prochain objet, donc région de Pentelas, dans la forêt de Macta. Porte du piège oublié. Donc, c'est au sud-est, il faut remonter dans la grotte. Et ça va être un truc assez casse-pied, c'est il faut des pétales charnus de blantes. Donc en sachant que dans cette grotte-là, il y a énormément de grosses bestioles. Et particulièrement près des blantes, il y a un... Bon là, il y a un dragon, là, c'est même pas la peine, là pour le moment, il est 105. Donc dans cette grotte, il y a pas mal de gros monstres, vous voyez les niveaux. Mais c'est super pour farmer, hein. Des crabes homards, on en a farmé dans une vidéo précédente. Donc voilà. Voilà où se trouvent les blantes. Vous voyez au milieu, c'est un unique. Ce serait bien que le crabe homard nous lâche, mais... Donc, le crabe homard nous a lâché. Donc voilà. Alors hein, je répète, faites attention à l'unique derrière. Bon, sauf si vous êtes déjà en New Game Plus, que vous avez vos builds au top, les gemmes niveau 10 et tout ça. Sinon, n'allez pas vous amuser. Sauf si vous êtes suicidaire. Hein. En fait, là, ce qu'on cherche, donc ce sont des pétales charnus de blantes. Donc en violet, x30. Voilà. Donc assez simple là. Et vous en avez pas mal autour. Faut vraiment faire attention à l'unique. Hein. Donc on continue. Alors, le prochain objet. Alors, il va se trouver à Cadencia. Donc on va se TP sur Portail des Deux Rocs. Jusqu'à l'unique, en fait, Aurélia la Piquante. Donc en fait, on aurait pu se TP hein, sur l'unique, mais comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle est faite pour vous aider. Et donc on va vous montrer le cheminement, parce que c'est pas évident. Si on s'était TP directement sur l'unique, certains d'entre vous auraient pu être bloqués. Donc suivez bien notre cheminement, ça va vous amener là où vous devez aller. Donc on monte par ici.
comme ça, montrer vers le bas. Je vous déconseille quand même de sauter. À descendre ici. Deuxième descente. En fait, là, ce qu'on cherche, c'est œil composé royal de Fourmix. Alors, royal, je vous l'ai déjà dit. Alors, on les trouve que sur les uniques. Quand c'est marqué royal, ça va drop que sur les uniques. Donc, sur cette fourmi qui ressemble plus à une araignée. Hein. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est un œil composé royal de Fourmix. Et en plus, on cherche, donc c'est deux en un, parce que l'objet suivant, c'est carapace royale de Fourmix en jaune. Donc ce qu'on veut sur cette unique, c'est trouver un œil composé royal en violet et une carapace royale en jaune, rien que ça. Hein. Je rappelle ce qu'il faut, donc œil composé royal en violet, carapace royale en jaune, rien que ça. Allez, œil composé royal, carapace royale. Alors, carapace royale, œil composé royal, donc vous voyez, tout est là, sauf que par exemple, l'œil composé, on en avait besoin en violet. Et on l'a eu en jaune. Donc voilà, c'est ici qu'il vous faudra farmer. Pour deux objets importants. Alors, le dernier objet pour la gemme. Alors, il faudra vous téléporter à Aetia, au niveau supérieur, sur l'unique qui s'appelle Bacro Lanspiralé. Et là, on va aller chercher des cornes d'Oris. C'est en qualité, c'est du blanc. Et il vous en faudra 30. Donc voilà les Oris. Il y en a pas mal, hein, là.
Ils ont un beau niveau. Donc ça aurait été dommage qu'il nous donne direct les cornes. Il a envie de nous donner que des plaques. Où il y a beaucoup d'Ariz quand on cherche des Ariz. J'ai pas souvenir que... Bon, il y en a sûrement plus bas, hein. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est... vous allez... soit vous allez un petit peu plus loin pour les faire respawn. Là, c'est vraiment pas de chance, hein, parce que normalement, ça drop assez... ça drop assez facilement. Ce que vous faites, il y en a de l'autre côté. Je crois en voir. Sans ce que vous faites, ben, vous allez vous TP et vous revenez et ainsi de suite et vous farmez. Oui, c'est cette blancheur là me fait mal aux yeux. Donc, plutôt que de perdre du temps, vous allez faire respawn ceux du début. Parce que là, ils reviennent pas. Donc, bref. Donc, je répète, donc pour les cornes d'Oris, Aesia, niveau supérieur, à l'est de l'unique backroll en spirale. Donc là, ils n'ont pas respawn, il faut se TP ailleurs. Et c'est ici que vous allez les trouver. Pourquoi t'as... Donc voilà, donc là on a fini toutes les gemmes. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Je vous dis, c'est vraiment des jours et des jours de boulot où on a fait que ça, vraiment chercher... chercher tous les mobs. Donc si ça vous a plu, si ça vous a aidé, un petit pouce bleu pour remercier, un petit commentaire et si vous voulez vous abonner, ça nous fera vraiment plaisir. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On a déjà réfléchi sur la prochaine vidéo, on aimerait peut-être faire vous montrer des builds. Donc allez, à très bientôt. Bye bye les amis.